Bonjour tout le monde, on se retrouve, on est mardi 20 septembre. On va se suivre encore toute cette semaine pour les petits coloriages pour le vlog. Et si vous voulez voir mes gros coloriages, je vous invite à me suivre sur Twitch en live. Donc pour cette semaine, je voulais commencer par vous montrer le presque la fin du coco que vous avez subi toute la semaine dernière. Donc je ne pouvais pas vous quitter comme ça. J'ai plusieurs trucs à vous dire. Donc il n'est pas tout à fait fini parce que je vais encore mettre cette paillette là. Il me semblait que j'en avais des dorés, mais impossible à trouver. J'ai un doute au final, donc tant pis, je vais mettre la verte que je vais mettre à l'éponge comme ça. Et je vais mettre tout autour comme ça, je vais tapoter les paillettes ici. Comme ça, en fait, le gesso, ça fait deux couches. Ça fait du noir mat en fait, mais ça prend pas mal les peluches. Vous savez, les matières de crayon, ça accroche pas mal. Donc moi, à chaque fois, je mets soit du vernis, ben soit des paillettes. Tout simplement, dans tous mes colos, dans ce bouquin où j'ai fait des fonds noirs, j'ai mis des paillettes. Comme ça me vernit en fait le noir. J'ai donc utilisé les bruts de fenêtre pour la peau. Sinon, tout le reste, c'est du matériel aquarellable comme vous avez vu dans le vlog précédent. Et je voulais vous montrer du nouveau petit matériel, notamment le Posca en doré PC3M. Alors, je le détestais de base, je vais vous expliquer. Le Posca doré, je l'ai en PC1M et il fonctionne extrêmement mal. Et j'avais des copinottes aussi qui avaient le même que le mien, qui me disaient « Ouais, il est trop nul ». Et donc, j'avais banni tous les Posca dorés, en fait, même les autres mines. Et en fait, il est très très bien. Voilà, c'était pour vous dire qu'en fait, le 1M et le 3M sont très différents. Donc si vous voulez un Posca doré, il aura une mine quand même un petit peu plus épaisse. Voilà, donc ce ne sera pas pour faire des mini mini détails, mais elle est vraiment pas mal. Et il a un très joli effet doré. Il fait un tout petit peu de matière, mais vous voyez, une fois bien activé et une fois bien sec, voilà, il est là. Il est également ici, ici et là. Et vous voyez pour les grosses enluminures, comme ça va très très bien. Donc merci Laimiana qui m'a aidé à démystifier ce mystère du Posca doré que je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes l'adoraient. C'est tout simplement qu'il faut le prendre à partir d'une taille PC 3M. Voilà, et si vous voulez plus fin, ben l'encre dorée avec un pinceau ou du stylo gel, tout simplement du stylo gel doré. D'ailleurs, en parlant de stylo gel, j'en ai mis pas mal sur les nœuds. Voilà, j'ai mis des paillettes comme ça un peu partout. D'ailleurs, j'hésite à mettre des paillettes sur les squelettes ici, parce que j'aime bien mettre des paillettes. Et ouais, voilà, la petite touche qu'il me reste à faire, mais sinon il est fini. J'ai enfin honoré mon trio avec Warlotte et Black Pearl. Désolée de vous avoir fait attendre. C'est vrai qu'à côté, j'étais sur d'autres gros coloriages en stream avec vous. Et je suis bien contente d'avoir fini le plus gros du travail. Donc, pour les prochains, mon duo avec Eleis, ça va être celui-ci. Et il va être entrecoupé de petits colos, justement, que j'ai choisis en fonction de son challenge. Je m'étais refait la liste. Donc, dans le Weird Couple, je me suis choisi une page avec des pierres. Donc là, on a un gros mur de pierres et des pierres tombales. Donc ça va compter pour le challenge d'Elis. Moi, je suis team Gryffondor et les pierres, elles rapportent. Et l'effet pierre, ça rapporte 30 points. Donc, je vais essayer de faire un effet pierre et pourquoi pas un effet luciole aussi dans le ciel et l'effet luciole, combien ça me ferait? Parce que j'essaie quand même de calculer pour faire des petits points en plus. L'effet luciole, c'est 30 points aussi. Donc voilà, dans le Weird Couple, j'aimerais bien faire celui-ci. J'adore ce livre, il est trop beau. Dans le Spooky, je m'en suis sélectionné deux. Alors là, j'ai pris pour la porte. Pour la porte, je pense que ce sera OK parce qu'on a la porte en entier. En plus, on a. Ouais, non, elle avait dit serrure. On voit pas trop la serrure. Et je sais pas s'il y aura un effet maison hantée avec le truc là ici. Je sais pas. Mais au moins, il y a la porte qui pourrait compter pour celui-ci. Alors, à mon avis, le chat au pelage noir, ça devrait pas compter, hein. Faut pas pousser mémé dans les orties. En tout cas, je sais qu'elle revérifie à chaque fois les points.
Il y a celui-ci où je me suis dit peut-être que maison hantée ça passe avec l'écriture. Donc voilà, un des deux dans le Spooky Boy de Leni Dao. Tous ces bouquins, vous pouvez les retrouver dans ma boutique Amazon, hein, si jamais ils vous plairaient. Et puis dans le Nice Little Town, il faut que j'ai un duo à faire. Enfin, je ne sais pas encore tout à fait avec qui, mais je sais que je vais sûrement faire ce coloriage avec certains d'entre vous. Donc on a celui-ci à faire. Et celui-ci, il pourrait compter comme maison hantée, ça j'en suis sûre, parce que Héloïse me l'a confirmé. Et puis moi, je vais bien évidemment lui donner un effet hanté. Je ne vais pas faire une maison rose à pompons rouges. Non, non, je vais faire une maison dans des teintes très foncées, avec du noir, avec des toiles d'araignée. Et on va faire quelque chose d'assez creepy comme ça. Donc voilà, dans le Nice Little Town Halloween, c'est un bouquin que j'ai pas mal avancé l'année dernière. Ce serait ma cinquième page dans ce livre. Donc voilà pour cette semaine ce que j'aimerais faire. Donc voilà, deux spooky, un Nice Little Town parce que ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Mon objectif des marque-pages. Ouais, parce qu'il m'en reste trois à faire, dont celui-ci. Donc voilà, faire avancer mes objectifs. Et puis je voulais vous présenter un dernier petit matériel parce qu'en fait ce Posca-là m'a été offert par mon père qui m'a également offert deux aquarelles. Donc celle-ci c'est la 705 gris chaud de chez Sennelier que je lui ai demandé pour notre coloriage Harry Potter. Donc cette semaine ça va être le coloriage Harry Potter dans les escaliers avec les frères Weasley là, qui s'envolent pour le challenge de Mione, qui me rapportera aussi beaucoup de points pour le challenge d'Eleis Colo. Donc je suis très contente et il me fallait absolument de nouveau un stock de 705 gris chaud de chez Sennelier. Cette couleur, vous pouvez également la trouver en peinture à l'huile, en peinture acrylique. Gouache peut-être, pas sûr. Si cette couleur gris chaud vous plaît. Je l'ai beaucoup utilisé dans mes coloriages Harry Potter, donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur mes coloriages Harry Potter, vous la verrez dans tous les fonds. Voilà, et donc il m'a offert également celle-ci qui est l'interférence jaune de chez Van Gogh, c'est une aquarelle nacrée. Voilà, donc ça je mettrai dans ma petite palette que j'ai fait moi-même. Donc ça je suis trop contente parce que ça me fait mon stock et le Posca je voulais le tester. Donc c'est parfait. Voilà, pour ce soir, on est hyper bien. J'ai rattrapé mon retard et merci d'avoir subi le vlog de la semaine dernière avec ce coloriage-là tous les jours. Mais bon, des fois, ça arrive, hein, c'est comme ça. Mais cette semaine, ça va carburer. On se retrouve, on est mercredi 21 septembre et j'ai officiellement commencé ma pack. Je suis trop contente. Je voulais rajouter que... Alors, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Déjà, mais dans ma pack, je rajoute tout ce qui est spooky, hein. Spooky girl, spooky town, weird couple et spooky boy. Voilà. Bon, après moi, ça me paraissait évident, surtout que c'est des tout petits coloriages qui ne me prendront pas beaucoup de temps. Et voilà, c'était juste pour vous préciser ça. Donc, je vais commencer mon dixième coloriage tout à l'heure. Donc, c'est le deuxième de ma pack. Et le premier que j'ai terminé. C'est celui-ci avec un fond à l'aquarelle et tout au brut funeur. J'adore ces crayons. Alors juste la tête du shérif, dans mon bouquin, elle est un peu plus marronnée. Et en fait, je suis allée pour chercher un autre truc après sur Internet. Et sur Internet, elle est beaucoup plus grise. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je trouve que ça lui va bien comme ça aussi. De base, je voulais faire un effet luciole, puis au final, je trouve que ça va pas du tout. J'ai utilisé mon violet crépuscule pour le fond et je trouve qu'il se suffit à lui-même. Voilà, donc je vais laisser ça comme ça. Le reste de l'aquarelle ici, c'est en tube de chez Winsor & Newton. Et puis sinon, bah, pas mal de stylo gel et les bruits de fumeur au top du top du top. Il faut que je choisisse un papier à mettre derrière. Donc ça va être mon premier marque-page. J'espère qu'il va me rapporter des points. J'ai demandé à Elise. Le deuxième colo que j'aimerais donc faire, c'est dans le Nice Little Town Halloween. Et c'est celui-ci pour la maison hantée. Donc ça fonctionne. Et je pense que je vais le faire peut-être au crayon aquarellable pour la base de la maison. Ce sera plus simple. Parce qu'en fait, les marqueurs alcool, ça va bien. Mais sur des très très grosses zones, ça peut faire des traces quand on s'arrête.
voyez, là, par exemple, on doit faire tout ça d'une seule traite et en même temps faire en haut pour en même temps faire en bas ici. Ça risque de me faire des traces. Je l'avais déjà fait avant. Là, ce sera mon cinquième dans ce livre. En tout cas, ça va me le faire avancer. Donc, ouais, pour les grosses zones, je vais prendre peut-être les Inktense ou les Graphitint. Voilà, ou mélanger les deux, tiens. Ouais, mélanger les deux. Et puis, ben, le reste, peut-être une base au feutre alcool ou toujours au crayon aquarellable. J'en sais rien du tout, mais voilà, je voulais vous dire que ça y est, je démarre ma pack et je vais essayer d'en faire le plus possible pour apporter au plus possible de points. Pareil, j'ai fait un oubli dans ma pile à colorier, bien sûr, c'était aussi bah, tout ce qui était objectif. Donc, il faut que je fasse deux colos coloria. Voilà, mes deux mandalas, je les ai pas encore faits pour ce mois-ci. Donc, je vais essayer de faire ça, mes coloria. Et puis, ben, je vous montrerai ça plus tard. On est jeudi 22 septembre et on se retrouve. J'ai commencé hier soir, enfin, j'ai continué dans ma pile à colorier. Et j'ai commencé un coloriage dans le Nice Little Town Halloween de Tatiana Boguema. Et j'ai commencé celui-ci. Je voulais faire un manoir hanté. Donc ça fonctionne. J'ai demandé à Elise. Donc ça me fera, il me semble, 40 points. Donc j'ai fait le ciel au Néocolor 2. Et j'ai utilisé un noir, un gris de peine et un gris métallisé. Voilà, continuer dans ma folie du matériel métallisé. Et ça marche très très bien. Ça m'a fait des nuages métallisés gris. Et puis ça m'a fait des toutes petites nacres un peu partout. C'est nickel. Et pour le manoir, j'ai utilisé principalement les graphitint. Principalement. Et au niveau des noirs, j'ai pris un noir, le Watercolor de Derwent. Parce qu'en fait, dans les graphitint, vous avez un noir, il s'appelle Midnight Black. Mais en fait, ça fait un gris, ça fait pas un noir très très intense. Ou sinon aussi, je vous conseille de prendre un noir très intense dans les Inktense. Là, ça le fait trop. Après, moi, c'est que mes crayons aquarellables de petite qualité, entre guillemets, sont tous dans la même trousse en fait. En fait, j'ai toutes mes gammes aquarellables dans une trousse. Sauf les Inktense qui sont restés en boîte. Donc comme ça, j'ai plus qu'à piocher dans mes gammes. Voilà, j'ai pris le noir ici et je prends les graphitint qui sont là. Et puis après, derrière, j'ai les Goldfaber Aqua et Albrecht Dürer. Voilà, j'aime bien. Comme ça m'évite de me lever pour rien. Et puis j'ai encore plein de place pour compléter mes gammes éventuellement. Parce que ben, si un jour je veux avoir une gamme de 120 crayons aquarellables, je peux toujours augmenter. Pour l'instant, j'en ai 71. Bon, ça me convient très bien pour cette gamme Goldfaber Aqua et Albrecht Dürer. Et puis, le truc, c'est que je vous avais dit aussi dans une autre vidéo, je suis vraiment tentée par les Watercolor de Derwent. Et le noir, je l'ai pris chez les Watercolor parce qu'il est très friable, il est très facile à appliquer au final. Alors que les Goldfaber Aqua, c'est. Ben, c'est l'inverse en fait, c'est pas friable. Et je vous avouerai que je sais pas, mais moi je préfère le toucher, l'application de ceux-là. Donc, si on peut les trouver à l'unité, peut-être que je m'augmenterai ma gamme. Et j'essaierai de faire attention entre tous mes nuanciers de ne pas prendre des couleurs que j'aurais déjà dans l'autre. Et dans les watercolors, je sais même pas combien il y a de crayons, mais s'il y en a au moins 72, c'est trop bien quoi. Et puis pour le ciel, voilà, j'ai utilisé les Caran d'Ache. Alors moi, j'ai la boîte de 84. Il y a deux étages en fait de craie. Et je trouve que c'est largement suffisant. On peut en trouver beaucoup plus, il me semble, à l'unité. Mais sincèrement, j'ai même pas cherché à les retrouver. Et après, si c'est pour les ranger dans une boîte à part, je vois pas trop l'intérêt. Parce qu'après, tu oublies tout le temps de sortir ta boîte à part. Enfin bref. Donc je vous avouerai, pour l'instant, les 84 Néocolor 2 me conviennent très bien. Mais c'est vrai que dans le coloriage, je commence à avoir beaucoup de gammes complètes. Et maintenant, je pense qu'il faudrait vraiment que je complète à l'unité, quoi. Donc voilà, c'est mon cinquième, j'avais déjà fait. Alors ça, c'était déjà tout fait à l'aquarelle. Feutre à alcool et crayon. Ça, c'est du crayon aquarellable, feutre à alcool. Ça, c'est du feutre à alcool et le fond au crayon pastel. Voilà, donc ce bouquin, c'est mon livre d'Halloween qui avance super bien. J'ai l'autre aussi de Tatiana Boguema. Faudrait que je sais plus si je l'ai mis dans ma pile à colorier, mais
Je verrai. Déjà, premier objectif, c'est faire ma pile à colorier en fonction du challenge Delis Colo. Ça, je vais essayer de tout donner. Donc, je vais continuer mon petit manoir, le finir au plus vite. Et comme ça, je pourrais passer plutôt après à mon spooky que je vous ai montré. Et je voulais aussi vous parler du marque-page. Vous savez, le marque-page que j'ai fait comme ça. Derrière, j'ai donc mis un motif violet et vert pour que ça aille bien avec. Je suis restée dans les mêmes tons. Et au final, ça ne me fera pas de points pour le challenge d'Eli. Ça ne fera pas de points parce que le loup, il n'est pas assez voyant. Il fait trop animé. Il fait pas loup-garou méchant. Donc voilà, j'essaye de vous aussi de vous communiquer les infos par rapport à son challenge si j'ai des choses à vous dire. Mais n'hésitez pas à faire pour son challenge. Par exemple, si c'est un manoir hanté, il faut qu'on voit le manoir, qu'il ait un aspect inquiétant. Comment vous dire? En fait, il faut que la chose ou l'objet soit le centre principal de l'illustration. Faut pas faire genre trois petites pierres, ça compte comme des pierres, pas du tout, hein. Voilà, donc moi je pense que je vais rester, en vrai je crois que je vais rester dans les manoirs hantés et créatures fantastiques pour l'instant, parce que j'aimerais bien avancer pas mal de bouquins où j'ai des trucs comme ça à l'intérieur. Voilà, donc ça comptera pas de points, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas les Griffons d'or, hein, je vais essayer de me rattraper après. On est le samedi 24 septembre et on se retrouve. Donc pour les deux derniers lives, j'ai fini mon Harry Potter. Donc c'était pour le challenge de Mune, je vous ai montré, hein, c'était la page avec les Weasley qui s'envolent, enfin qui sont sur leur balai dans les couloirs de Poudlard avec plein de feux d'artifice. Donc on a presque fini en live, il m'a fallu deux lives seulement pour ça. Et j'ai fait ce matin les feux d'artifice en fait à la peinture, donc j'ai terminé hier soir les personnages. Et à la peinture, j'ai fait donc les feux d'artifice avec ces peintures de chez Action. Donc ces deux-là, les grands tubes. Et les trois petits, comme ça, vous vous souvenez de ces peintures-là. Je ne vous les avais pas conseillées. Sincèrement, je ne vous les conseille pas. Mais si vous les avez pour faire des feux d'artifice, donc moi ce que je prends, c'est que je prends de la peinture et je la tamponne comme ça. Ça va très bien, c'est très opaque. Donc voilà, j'ai utilisé ces pinceaux-là pour faire mes feux d'artifice. Vous avez vu sur Instagram, tous ceux qui viennent en live sur Twitch, vous avez vu. Sinon, bah, vous verrez dans la vidéo de mes coloriages terminés qui devrait arriver dans une dizaine de jours, je crois. Donc voilà, ces peintures-là, je vous les conseille pas parce que de base, pour peinturlurer comme ça, pour les étaler, elles sont vraiment très transparentes. Mais pour faire du tapotage comme ça, bah ça va très très bien. Donc voilà, j'ai utilisé ces 5 couleurs. Alors pour les feux d'artifice, normalement pour... Voilà, j'ai regardé des modèles, c'est plutôt du blanc, jaune, orange et rouge. Mais moi, comme j'avais ces peintures-là, j'ai viré au orange et rose. Voilà, j'ai fait une petite variante. Et avec ces pinceaux-là, donc ça fait vraiment pinceau brosse, ça va nickel chrome pour tapoter comme ça, pour faire des feux d'artifice. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une base de blanc. Et comme ça, les couleurs, elles ressortent beaucoup mieux. Et c'était pareil pour l'année dernière, pour des taches de sang sur un fond noir. Ben, vaut mieux faire une base de peinture acrylique blanche. Et après, tu mets ton rouge par-dessus. Voilà, pour vos taches de sang, si vous voulez les faire sur une base qui est très foncée, ben, mettez une couche d'acrylique blanche, vous laissez bien sécher, vous mettez du rouge par-dessus, ça ressort hyper ouf. J'avais fait ça dans le Cute and Creepy, je vous avais montré. Donc voilà pour mes feux d'artifice. Il me reste plus qu'à attendre que ça sèche et je vais rajouter. Alors je suis trop contente, j'ai retrouvé mon pot de paillettes dorées. C'était celui-là que je cherchais la dernière fois et je le mets avec ce genre d'outils, tout simplement. Donc là j'attends bien 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 que mes feux ils sèchent, ils sont de côté. Et ben, mon HP sera vraiment fini, fini. Trop cool. Je suis trop contente. Franchement, je me suis méga éclatée. Merci à ceux qui étaient en live avec moi. Ça m'a fait trop plaisir. J'ai refait tout l'intérieur des tableaux sur les murs. Il y a des tonnes et des tonnes de tableaux. J'ai refait tout l'intérieur avec mes aquarelles. J'ai utilisé la nouvelle aquarelle que je vous ai montrée là il y a quelques minutes.
Donc moi je l'avais déjà en palette, mais bon voilà, je l'ai en double et je me suis dit tiens, je vais l'utiliser dans les tableaux. Donc il y a des nacres dans les tableaux, enfin c'est au final un colo très coloré, très très joyeux. Voilà, je me suis dit c'est l'ambiance des Weasley qui ont fini l'école, qui se cassent, qui virent tout et qui vont faire leur vie. Et voilà, je me suis dit bah comme ça rend une ambiance joyeuse avec toutes ces couleurs. Et puis il y a une petite souris, une copinote qui m'a dit, moi pour faire les feux d'artifice, je vais utiliser vous savez, les sprays acryliques comme ça. Et je me suis dit, tiens, mais moi je les ai. Et je savais que j'allais pas les utiliser parce que je vais vous montrer, voilà, le nuancier. Voilà. Oui, vous voyez bien. Oui, non, je ne rigole pas. Voilà le produit, voilà le nuancier. Voilà, donc c'est simple, celui-ci il marche pas et il y a tout qui dégouline. Donc là le bouchon il est enfoncé, je peux même pas. Voilà. Le verre, bah ça me fait des crottes. Voilà. Et tous les autres, rien ne fonctionne. Il y a même celui-ci où le bouchon, enfin le spray est resté dans le bouchon. Donc moi il paraît que j'ai peut-être les anciennes versions. Ça fait des années hein, que je les ai. Presque ouais, des années, peut-être un an ou deux que je les ai. J'ai jamais pu m'en servir. Hein. Dès le départ, ça bouchonnait. Donc, bon. Je garde quand même les pots pour m'en servir, m'en servir comme des peintures classiques. Hein. Je garde évidemment. Mais voilà, le nuancier avec le spray, ça ne sert absolument à rien. Donc, testez vraiment avant sur une feuille à part pour vos sprays. Parce que moi, je vous les conseille pas. Hein. Si c'est pour que dans quelques semaines ou mois que ça bouchonne. Alors, moi. À peine acheté, à peine il fonctionnait pas. Hein, pour vous dire, c'était ça qui était dommage. Donc heureusement, j'avais acheté que deux sets. Je crois qu'il y en a plusieurs. Mais c'est pas mon truc. Voilà. Donc je vais vous montrer, comme on a fini le Harry Potter, je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour demain dimanche. Donc pour demain dimanche, j'ai pioché dans ma pile à colorier, celle que je vous ai montrée pour le vlog précédent. Et j'ai donc choisi de faire le chat en face de ma sorcière. Voilà, la sorcière que j'avais fait en octobre 2020 au Lightfast, il me semble. Hein, ouais, c'est ça. J'avais testé pour la première fois ces crayons. J'avais pas fait de fond. Je ferai un fond qui sera raccord avec le chat au final. Donc j'en profiterai pour faire le chat avec un pelage noir. Ça me fera des points pour le challenge Harry Potter Daily Scholo. Voilà, ça me fera des points pour le chat. Donc c'est 20 points pour le chat et le pelage, je me souviens plus combien de 7 points. Mais voilà, il faut absolument que je le fasse et je ferai un fond raccord comme ça à l'aquarelle. Là, la difficulté, c'est que faut faire un chat, un pelage, enfin un pelage de chat, pardon, donc un effet poil avec deux bougies. Donc il y a deux sources de lumière. Ça va être très chaud pour moi. Écoutez. Moi, à un moment donné, je me dis, je fais ce que je peux et advienne que pourra. Hein, parce que là, à un moment, faut que j'arrête d'attendre et faut que je prenne le temps de le faire. C'est compliqué parce qu'entre tous les challenges, c'est très compliqué de prendre le temps de m'améliorer dans ce genre de page parce que tout simplement, j'ai pas le temps. Donc là, je vais le prendre. Et le dernier coloriage pour ce mois-ci, le dernier coloriage qu'on fera en live, ce sera la fameuse double page du papillon dans le Imagimorphia. Mais voilà, entre-temps, j'essaierai de faire le chat. J'essaierai de le faire un maximum. C'est vrai qu'il est un peu long à faire, mais il faut que je prenne un petit peu le temps. Puis ça, si ça décale un peu les autres coloriages, c'est pas grave. Et dans ce livre, ça me fera ma 13e page. Donc c'est pas mal dans le Seasons, hein, d'Anna Carlson. Je crois que je vous ai même pas dit. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, pour Action, il y a apparemment pas mal de petites nouveautés. Qui me plairait, donc il faut absolument que j'y aille pour trouver des stickers, des crayons de couleur apparemment très pigmentés. Il y a un petit set de crayons de couleur très pigmentés, je vais voir si je les prends ou pas. Et puis ouais, les stickers, les trucs de Noël et tout, d'automne, il me faudrait bien des stickers pour mes marque-pages, j'aimerais bien trouver à Action. Donc ce lundi, j'essaierai de vous montrer, peut-être en fin de vidéo, vous aurez un petit haul, en tout cas je l'espère. J'ai avancé dans mon Nice Little Town Halloween. Il me semble que je ne vous ai pas encore montré mon avancée, mais voilà.
Donc comme d'habitude, enfin comme je vous ai montré, c'est tout au graphitint, sauf le fond qui est au néocolor 2. Mais voilà, j'ai continué au graphitint et je resterai avec les graphitints pour vraiment garder ce côté manoir hanté, inquiétant. Vous voyez, les autres pages sont très colorées, très vives. Et quand on arrive sur celle-ci, je me dis, elle rentre vachement dans le thème d'Eleis Colo pour la maison hantée. Voilà, j'ai des petits bidules à finir et je mettrai quand même des paillettes, hein, des paillettes noires, argentées. J'essaierai de faire en sorte que ça brille quand même, que ce soit une jolie fête d'Halloween dans un manoir hanté, quoi. Donc ça va être normalement mon deuxième coloriage terminé pour cette journée. Ce serait trop bien. Et puis ben je pense que j'irai après dans mon Spooky Boy faire celui-ci. Voilà. Et je me suis mis aussi de côté mon Weird Couple et puis les mandalas de Coloria parce qu'il faut que j'avance aussi dans tout ça mes objectifs. Hein. Il ne faut pas que je pense uniquement au challenge. Je vais aussi essayer d'avancer à côté. On se retrouve un petit peu plus tard et j'ai fait mon deuxième coloriage terminé de la journée. Je suis trop contente. Voilà, ma maison hantée va me faire quelques points pour Gryffondor dans le Nice Little Town Halloween. J'ai tout fini en fait au graphitint, toujours au sparkle marqueur de action et au glitter et métallique marqueur de action. J'ai utilisé juste trois teintes. J'ai pas osé mettre plus de couleurs différentes pour rester dans le thème, pour que ça reste aussi un peu hanté, pas mettre des couleurs non plus trop flashy. Et voilà, il a été fait de façon rapide, hyper détente. Je me suis vraiment pas pris la tête avec les crayons aquarellables et c'était le top. Donc ça va encore me rapporter des points. Et normalement, avec mes deux coloriages cumulés, donc le Harry Potter et celui-ci, j'espère avoir remporté 190 points. 150 avec le Harry Potter et 40 pour la maison hantée pour celui-là. Donc ça avance trop bien. Je suis bien contente parce que moi, pour l'instant, qui n'arrivais pas à faire des points, ça y est, je suis en... Ça y est, on a mis la machine en route. Et mon prochain colo, ce sera dans le Spooky Boys. Je vais faire celui-ci et il va me rapporter 40 points pour le côté maison hantée. Et celui-ci, je vais le commencer au feutre à alcool. On est lundi 26 septembre et on se retrouve. Je suis trop contente. J'ai plein de petits trucs à vous partager. Je vais commencer par les achats. Alors, je suis allée dans mon déstocker parce que l'univers de Petit Bout a trouvé des colles à paillettes UHU Glow in the Dark. Des colles en tube. Et j'ai fait, oh mais c'est vachement intéressant et c'est même encore mieux que ce que je m'étais mis de côté. Je m'étais mis de côté sur Amazon une peinture qui brille dans la nuit en fait, qui est phosphorescente, de chez PBO qui doit faire 9 euros, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bon, j'ai jamais sauté le pas parce que je me suis dit, ok, elle brille dans la nuit, mais comme ça on voit rien. C'est quelque chose de transparent. Donc c'est vrai que j'ai jamais sauté le pas, d'ailleurs je l'enlèverai de ma wishlist. Et donc, elle a trouvé ces petites paillettes-là dans son déstocker. Et je suis allée voir, je ne les ai pas trouvées finalement. J'ai trouvé que des petites sticky notes là. Voilà, pour marquer les pages dans mes livres. Donc, tant pis, j'ai quand même trouvé un petit truc. Et je me suis dit, je vais regarder dans mon supermarché si je ne les vois pas. Et il n'y avait pas la version Glow in the Dark. Et puis là, bon bah sur Amazon, j'ai vu, elles sont à 7 euros et quelques. Je les ai trouvées, mais bon, à 7 euros, sachant que Petit Bout les a trouvées, je crois, à 1 euro, quelque chose comme ça. Donc si un jour sur Amazon, elles descendent aux environs, on va dire, de 2 euros et quelques, il n'y a pas de souci, je les prendrai. Mais je voulais absolument un petit produit qui fasse phosphorescent dans la nuit. Et je trouve ça rigolo. Et puis là, pour le coup, même dans le jour, il y aura quand même des paillettes. Ce ne sera pas quelque chose de transparent. Donc voilà, ça c'était tout pour le déstocker. Après, je suis allée à Action. Je voulais absolument me reprendre des feutres gris. Donc vous voyez, moi j'ai cette collection-là. Je suis en train de faire un spooky, je vous montre après. Et je voulais absolument des gris, justement, pour faire les ombres sur mes spooky. Donc j'ai repris ce petit set-là. Sinon, il était en grand aussi. Il était en grand, je crois, comme ça encore, mais moi j'ai repris juste les gris. Et puis ça me fait du gris du plus clair au plus foncé et ça me va très bien. C'était juste pour faire un petit complément. Enfin, c'est sûrement des doublons que j'aime et c'est pas grave.
Ensuite, j'ai vu sur la chaîne de Lagnana qu'elle avait acheté, qu'elle avait trouvé pas mal de stickers, notamment pour refaire son bureau, pour faire plein de choses aussi. Alors malheureusement, j'ai pas trouvé les mêmes. J'avais trouvé que celui d'Alice au Pays des Merveilles, il était trop joli, je l'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé quand même ces deux-là. Pareil, tout ce qui était Noël, moi j'y ai pas encore. Donc tant pis. Donc cette planchette, elle est trop mignonne avec les petits animaux. Voilà, donc bon, ben, j'essaierai de revoir la semaine prochaine ou celle d'après plutôt. La semaine prochaine, pas sûr que j'ai le temps d'y passer. Et puis celui-ci, c'est sur le thème des planètes et de l'univers. Voilà, et puis ouais, ça fait un petit peu, on dirait, les constellations, quoi. Ça, j'aime bien. Donc j'ai trouvé ça. Et puis moi, perso, ce sera pour mes marque-pages. Mes marque-pages ou éventuellement d'autres trucs, hein. Et puis, oui! Ah non, mais ça, c'est en rentrant dans ma boîte aux lettres que j'ai vu le cadeau de Danemou. Donc, c'est le Dunkelbunt de Sarah Richter. Donc, ça, je vous le mettrai dans ma boutique Amazon s'il vous intéresse. Et ce livre-là, c'est une merveille. Mais par contre, il faut s'accrocher. Niveau technique, niveau taf, niveau travail, au niveau du coloriage, il y a énormément de travail à faire. Et je vais essayer, je vous le dis, hein, je vais essayer de tout donner, comme le Harry Potter et le Voldemort dans ce livre-là. Alors là, par contre, pour moi, c'est vraiment du très haut niveau. Il y a beaucoup de textures à refaire. Regardez-moi déjà la couverture avec cet effet de réalisme incroyable. Pour moi, c'est un livre très compliqué, hein. Et je ne l'ai pas encore ouvert. Je découvre avec vous. Alors, ouais, le papier est épais. Ah, je suis contente. Je suis contente parce que c'est un papier épais, mais il n'est pas satiné. J'avais peur de ça dans ce genre de livre à spirale. J'ai toujours peur que le papier soit satiné, mais non. Il n'est pas du tout comme les coloriens, hein, par exemple. C'est un papier lisse, mais parfait. C'est exactement, pour ceux qui ont le Dunkelbunt, c'est exactement ce genre de papier que j'aime au niveau de la texture. Oh là là, mon Dieu, le taf. Mais franchement, je trouve qu'elle aide énormément au niveau des traits du visage, hein. Je pensais que ça allait être plus dur, mais je suis contente. Quand on voit un livre en vrai, ça change tellement. On le perçoit tellement pas de la même façon et ils ont des prénoms. Donc là, c'est Mina. Magnifique. La surface à colorier est dingue. J'essaierai vraiment de trouver un univers à refaire, de choisir mes couleurs, de travailler mon coloriage en amont, de choisir mes couleurs en amont, pas de me lancer comme ça. C'est incroyable. Waouh, c'est incroyable. Le travail des sourcils, il est déjà tout fait, hein. Ouais, donc ça, je suis très contente. En plus, dans un univers, là, je trouve que ça fait très science-fiction. Queen of the Night. Alors, attends. Et ça, c'est Shibalba. Ah oui, je crois que c'est le nom pour la dame en face, je crois. C'est incroyable. Franchement, allez, je vais le dire, je crois qu'en portrait, j'ai aussi du Mariola Budek, mais je crois que c'est définitivement Sarah Richter, ma préférée. Regardez-moi ça. Ça, tu le vois nulle part, de profil comme ça, avec des trucs fantastiques comme ça, c'est... Oh! C'est incroyable, tu peux recréer l'univers de Valérian, de Avatar, de Star Wars, de Stargate, des trucs de vampires. C'est. Oh là 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 là, mon Dieu, mais quelle merveille! Je suis très contente parce que c'est pas du. Si, ça doit être un peu du grayscale quand même. Ouais, si, on va dire que c'est quand même du grayscale, mais il n'est pas aussi imposant que celui de Mariola Budek. Waouh. Franchement, c'est incroyable. Alors, dites-moi si vous avez ce livre, si vous avez déjà colorié dedans. Ah ouais, j'adore. Alors, j'adore. Ah non, alors attends, Dragon Mask. Ah non, le nom, ça doit être pour la page d'avant. Ouais, c'est ça. Donc là, le nom de celle-ci doit être derrière. Alors ça, j'adore. J'adore. Ouais, Gothic Doll. Ah ouais, à travers un miroir. Je n'avais pas vraiment, comment dire, revu le livre depuis tant de temps. Et c'est une totale découverte.
C'est très différent. Chaque coloriage est vraiment très différent l'un de l'autre. Là, ce côté avec le hibou, c'est. Alors, celui-ci, je le connais bien parce qu'on le voit dans les. Mais c'est pas la couverture. Ah non. Mais on le voit, je crois, quand on clique sur l'annonce Amazon. Ah ouais, le côté squelette. Alors là, pour Halloween, ça va être oufissime, hein. Au début, peut-être que je me ferai un genre de portrait, on va dire, d'assez loin pour commencer tout doucement. Moi, vous savez, je le dis en live, hein, je dis exactement la même chose. Je vais pas tête baissée foncer dans un coloriage qui, pour moi, en tout cas, je parle vraiment pour moi, hein, je vais pas foncer tête baissée sur un coloriage qui est vraiment extrêmement dur. Quand bien même je le trouverais inspirant. Je vais essayer de commencer par faire des petits portraits de petite taille, avec un élément à côté qui me plaît énormément à colorier, par exemple. Avec, bah là, vous avez pas mal de couronnes, de choses à côté à faire. Donc, ouais, tu peux vachement trouver ton bonheur, hein. Et donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais récemment, il n'y a pas très longtemps, je vous avais. Ah, j'aime beaucoup celui-ci. Je vous avais partagé, je reprends ma phrase, hein. Je vous avais partagé son deuxième livre qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps et qui, pour le coup, celui-ci, je trouve que son deuxième livre est encore plus dur parce que là, c'est pareil, il y a un effet de texture à faire. Et puis, dans son deuxième livre, il y a aussi beaucoup de chevaux. Alors là, de hyper près, ce sera sûrement l'un des derniers que je ferai. Alors, sans vous mentir, là, il y a un taf incroyable à faire. Donc, je vais essayer de tout donner. J'essaierai d'en faire un pour cette fin d'année. Quand je sais pas, mais mon Dieu, quel cadeau, mais incroyable. Alors, Dunkelbutt is a German word. Alors, c'est Dunkelbutt, c'est un nom allemand qui veut dire noir et coloré. Et tout ce qui représente effectivement le livre de coloriage en lui-même. Voilà ce qui est écrit. Et à l'intérieur, il y a 28 illustrations qui sont dessinées par Sarah Richter. Donc c'est incroyable. Alors la qualité du livre, je la trouve excellente et je suis hyper contente. Par contre, le problème, je pense que ça va être pour les gauchers. Mais mon Dieu, oh là là, vraiment cette poupée là, mais franchement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour ce cadeau qui est juste incroyable. Tellement quali, les illustrations, le livre en lui-même, énorme coup de cœur qui se confirme en réel. Mon Dieu. Donc ça, on va encore plus le découvrir en live, on en reparlera. Il va falloir que je m'inspire énormément. Vous savez déjà comment je fonctionne. Moi, il me faut du temps. Il me faut du temps pour apprécier le livre, encore plus pour, comment dire, pour m'imprégner de l'ambiance. Il va falloir que je le refeuillette plusieurs fois, que je me cherche des inspirations. Mais dans tous les cas, Danou, je voulais vraiment te remercier du fond du cœur parce que là, on est donc, je répète, on est lundi 26 septembre et ma journée est incroyable. Voilà, ma journée est juste incroyable et elle continue d'être incroyable avec ton soutien. Et ça me fait juste trop, trop, trop plaisir. J'ai fait une petite pause. Je voulais vous parler du coloriage sur lequel j'étais en train de faire. Donc ça date d'hier soir. Hier soir, je me suis mis dans un petit coloriage facile. Dans mon Spooky Boy, j'ai sorti donc les feutres alcool, donc mes teintes neutres qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé, et puis un tout petit peu de teintes vives et des fluos. Et je trouve que ça ressort bien. J'ai essayé de donner une ambiance Halloween. Alors j'ai pas terminé. Ici, il faut que je mette du feutre alcool encore. Et sur le masque du chat et sur les bougies. Il me reste pas beaucoup en feutre alcool à mettre. Et après, sincèrement, je crois que je vais ombrer au feutre à alcool. Je vais pas me prendre la tête. Et je suis bien contente parce que j'ai réussi à ne pas faire de traces, notamment sur le grand mur. Là, c'est un nouveau feutre à alcool, donc il a bien tenu. Par contre, sur la porte, c'était galère parce qu'il est tout sec. Donc mon bleu comme ça, le 71, il est tout sec. Donc j'ai dû faire partie par partie pour pas qu'on voit de traces. Heureusement, il y a des traits de line qui font qu'on voit pas de traces. Mais je vais essayer de temps en temps de me reprendre des couleurs pour le coup, parce que là en neutre, je suis pas mal. Mais j'essaierai de me reprendre de temps en temps des petits packs de couleurs comme ça pour renouveler mon stock. Et
Voilà, bah, je vous montrerai. Je pense le finir ce soir, tout à l'heure. Je vous le montrerai quand il sera terminé. On se retrouve un petit peu plus tard et j'ai terminé mon coloriage. Je suis bien contente. Il était vraiment détente. Donc, j'ai fini d'ombrer au feutre à alcool. Vous voyez pas bien parce que ça brille quand même pas mal. J'ai la boîte à paillettes justement qui est sortie pour l'occasion. Donc, j'ai tout ombré au feutre à alcool. Je me suis pas pris la tête. Et le rouge que vous voyez, c'est la Pearl Glue de chez Action. Alors, elle est pas rouge, elle est plutôt corail. Et puis ça brille un petit peu, ça va mettre un petit peu de temps à sécher. Alors j'aime bien ce produit, sauf qu'il y a deux petites choses. Je trouve que ça coule trop vite. Et le deuxième truc, c'est que ça ne ferme pas. Ça ne ferme pas du tout, en fait, ça reste ouvert, donc c'est un peu dommage. Sinon, j'ai utilisé les paillettes comme ça de chez Rayeur. Je vous les conseille pas trop parce que mes pots, je sais pas, je les avais achetés à Leclerc Culturel. Peut-être qu'il les avait depuis longtemps parce que les miens ils sèchent trop vite. Bon, celui-là il fonctionne très bien, mais j'ai eu beaucoup de pots qui ont séché très vite. Donc je les ai mis là dans les bougies. Et puis là sur le candy, j'ai mis les Giotto Déco Glitter. J'aime bien parce que ça fait des confettis. Voilà, j'aime bien. Quand je vous parle souvent des paillettes d'écolier, c'est ce genre de tube en fait que j'utilise aussi. Quand je vous les montre pas forcément, c'est ça. Voilà, j'ai essayé de faire une ombre sur la porte. Mais j'en ai fait en fait partout des ombres. Hein. J'ai essayé de faire des trucs des fois comme ça. Et puis je me suis trop bien éclatée. J'adore ce livre. Et il faut que je l'envoie pour le concours d'Élise. Et je crois que ça va me faire 40 points pour celui-ci. Donc trop contente. Entre-temps, j'ai aussi plastifié le nouveau Dunkle Bent. Donc j'ai essayé de me mettre dans l'ambiance. Et je pense que ce livre, ouais, il m'impressionne un peu. Et je pense commencer par ce genre de page. La page de titre, la page de nom. Il y a aussi des pages où c'est pas tout à fait des portraits, c'est plutôt des personnages. Par exemple comme celui-ci. Voilà. Donc, je pense que je pourrais commencer par me faire avec ce livre, avec ce genre de page un peu plus simple. Et ça ira très très bien, quoi. Mais je le feuillette, il est vraiment oufissime. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis, je voulais vous parler de pas mal de nouveautés Amazon, parce qu'il y en a pas mal qui sont sorties. Et je vais vous mettre tout en barre d'infos comme d'habitude. Alors tout d'abord, j'avais loupé la sortie du Fairy Portrait de Takeuchi Art. Et c'était la même personne, le même illustrateur qui a fait le livre I Daydreams. Voilà, si jamais vous connaissez. Et ce livre, il sera avec des fées et des elfes à l'intérieur. Donc celui-ci, il est sorti au prix de 10,42 €. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Voilà, c'est ce genre de personnage. Il est très mignon. Donc ça, c'est sorti. Ensuite, on a un nouveau livre Grayscale de Alena Lazareva qui s'appelle Dreams. Donc celui-ci, voilà, il est qu'en semi-grayscale, elle appelle ça. Et donc c'est sur les rêves. Donc là, je ne sais pas si vous verrez bien, mais on a un petit renard, voilà, sur une lune. Ouais, je vous mettrai le lien, vous verrez mieux qu'en caméra là. C'est vrai qu'on ne voit pas trop. Mais il y a des portraits, mais pas que. Il y a des portraits et des personnages. Il y a un peu de tout. C'est très très joli ce qu'elle fait. Ensuite, de Grazia Salvo, on a un planeur à colorier. Donc en fait, je pense que chaque mois, on aura, je pense, 12 coloriages. Alors, on ne le voit pas trop, mais voilà, on a un exemple comme ceci. Mais je pense qu'on aura une bonne douzaine de coloriages à l'intérieur. Donc avec l'arc de Grazia Salvo à colorier. Ensuite, on a une nouveauté de Lenka Filonenko qui a sorti une nouveauté. Ça fait très hindou en fait. C'est très spirituel apparemment. Donc très 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 joli. Pareil, j'ai pas de visuel plus gros à vous montrer. On a une nouveauté Cocowayo qui est sur le même principe, on va dire, que le cercle de la vie. Donc c'est des cercles de scènes à colorier. Voilà.
Donc, pour ceux qui ont un petit peu peur du cercle de la vie, il y a cette version-là. Aussi, une illustratrice que moi je connaissais depuis le tout départ, c'est Alexandra Dannenmann. Et elle a sorti Bienvenue, cher automne. Donc, un livre sur l'automne, tout mignon, tout simple. Ça fait un peu style Johanna Basford, mais vraiment simplifié en fait. Celle-ci, ça c'est une illustratrice, mon Dieu, ça me rappelle mes tout débuts de coloriage. On a aussi Carla Magagna qui a sorti un livre très Halloween sur, voilà, sur le cimetière. Donc c'est très rigolo, c'est très fun, c'est assez décalé. On la voit beaucoup sur les chaînes américaines. Moi, c'est pas trop mon style de base, mais j'aime bien voir des gens colorier autre chose que moi, ce que je peux faire. Ensuite, on a Jim Shore qui a. Vous savez, c'est les figurines. Ils ont fait des livres de coloriage, dont celui-ci. Ils en ont fait un autre que je vous mettrai en barre d'infos. Et voilà, ils font pas que des figurines, mais voilà, ils font ce genre d'illustration à colorier. C'est assez différent et ça, c'est cool. Ça change vraiment. Ensuite, on a le A Million Sea Creatures, donc des créatures marines. De Lulu Mayo. Alors celui-ci, il me semble que c'est une nouveauté. Alors pardonnez-moi parce que pour Lulu Mayo, il se peut que je confonde si c'est une nouveauté ou pas parce que elle est éditée par plusieurs illustrateurs. Mais je crois bien, je dis bien, je crois bien que c'est une nouveauté. Et ça, c'est les éditions O'Mara, Michael O'Mara Books. Voilà. Ensuite, on a une nouveauté de Cherry Baldi, Flower Car Besties, donc des petites filles dans des voitures. Alors, j'adore Cherry Baldi. Bon, celui-ci, à mon avis, c'est pas son meilleur, mais si vous connaissez pas cette illustratrice, je vous invite à aller voir ce qu'elle a pu faire d'autre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une nouveauté de Marty Noble, et là, elle nous a fait un livre vraiment Noël classique vintage. Mais alors là, voilà, très très bien dessiné. Le line est hyper propre. Souvent dans ce style-là, on a des lines un peu bizarres. Et là, elle est ouais, trop trop au top. Donc celui-ci, pour cela, ils sortent éventuellement dans quelques jours. Hein, mais ils sortent dans la semaine où cette vidéo sera publiée. Et enfin, une nouveauté qui sortira le 30, c'est les 24 cartes postales de Rita Berman sur le même thème asiatique que son livre. Donc je pense que c'est peut-être les mêmes illustrations mais sous format carte postale. Si vous n'avez pas envie d'avoir le livre, ça peut être une option. Donc franchement, là, pour coup, on a eu des nouveautés mais super chouettes hein, pour cette semaine. Je voulais terminer voilà ce vlog par vous remercier de votre gentillesse, de votre bienveillance comme d'habitude. Voilà, je voulais vous remercier d'être aussi gentil avec moi, de qu'on partage, qu'on continue à partager autour du coloriage comme on le fait. Moi, j'étais encore très contente de faire ce vlog avec vous. On se retrouve bien évidemment mardi prochain à midi comme d'habitude. Je vais encore colorier à fond. Je vais essayer d'ailleurs de colorier à fond, à fond, à fond pour ce début de semaine parce que samedi, je ne serai pas OP pour colorier beaucoup. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas en commentaire sous cette vidéo, je répondrai vraiment volontiers. Puis sinon, on se retrouve en live. Je vous souhaite plein de bons coloriages à vous et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Ciao!